Prenez l'exemple de la dernière game qu'on vient de faire. On était avec plein de trolls, on a essayé de les canaliser, on a essayé de leur dire de switcher. On a essayé de leur dire, hey mec, faut arrêter les conneries maintenant, il faut jouer, on est en ranked. Et les gars, ils sont complètement partis en couille, ils ont fait n'importe quoi. Mais voyez la mentalité de l'espoir quand même, c'est qu'on a quand même gagné. On a lâché du lest, on s'est adapté à la situation. J'ai pris Widow, AlphaCast a priori ça, et on a réussi à faire quelque chose. On s'est adapté avec les personnes qui étaient déjà présentes et ont toujours dans le mindset de gagner. On n'a jamais relâché, même si c'était sûr qu'on avait des trolls, c'était quasiment à 99% sûr qu'on allait perdre. Dans votre tête, à 100% vous êtes gagnant. Si vous êtes à 99% sûr que vous allez perdre. Et c'est même vous qui allez faire descendre votre équipe. C'est à cause de vous que vous allez perdre, et non à cause des trolls. Parce que dans votre tête, vous avez déjà abandonné. Il faut jamais abandonner, mesdames et messieurs, c'est ça la moralité. Toujours rester positif. S'il y a trop de cancer avec vous, mutez-les. Il y a un bouton mute, ça sert à ça. Battez-vous jusqu'au bout, comme des lions. Comme des guerriers, parce que vous êtes des guerriers, vous êtes des lions. Et nous, ne l'oubliez pas. Et une chose que je me répète tous les jours. Tous les jours. Et une chose que j'espère que tout le monde pourra se répéter ça tous les jours. À quoi bon? Ça sert à quoi de se lever le matin et de faire quelque chose à moitié? Ça sert à quoi de se lever le matin, commencer sa journée à moitié? Ça sert à quoi de faire quelque chose à moitié? Ça sert à quoi de faire quelque chose à 50%? Quand vous faites quelque chose, c'est à 100%, mesdames et messieurs. À 100%, si ce n'est pas 150%. Quand on fait quelque chose, on le démonte, on l'a faim. Vous voulez l'avoir, cette chose-là. Vous voulez réussir cette chose. Et vous voulez y mettre tout le cœur, tout. C'est pour ça, ne vous contentez même pas de 100%, mesdames et messieurs. Allez-y à 300%, on n'a qu'une vie, mesdames et messieurs. Allez-y à 300%. On va réussir. C'est là-dedans. C'est là-dedans. Ne l'oubliez pas. Vous êtes tous des gagnants. Tous. C'est là-dedans que ça se passe.